Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une petite intro dans le bazar. Euh, je viens vous voir en grand format euh, pour une fois. J'ai euh, mis un peu en place tout pour que l'image soit pas trop dégueulasse. Euh, J'ai parlé il y a un petit moment d'une nouvelle occupation mystère qui euh, fait mes journées. Et qui explique en partie pourquoi euh, bah les, les thèmes que je faisais habituellement se sont faits un petit peu plus rares. Pour euh, vous brosser un petit portrait rapide de la situation, euh, quand je me lance dans un projet qui me tient à cœur, j'ai du mal à faire autre chose à côté. Euh, alors c'est pas que j'arrête l'impression 3D, c'est pas que j'arrête euh, League of Legends, c'est pas que j'arrête la peinture, euh, c'est que euh, j'ai mis quelque chose en place et que euh, j'ai voulu faire vite. Et vite et bien et ça veut dire que du coup il faut y passer du temps et je suis un peu un perfectionniste je suis un peu un on appelle un complétionniste c'est à dire que j'aime bien de tout faire et jusqu'au bout et rien laisser de, derrière moi et, et du coup ça m'a pris ça doit faire quoi trois semaines à peu près que j'y suis mais comme c'est prêt et comme ça a commencé et comme je comptais bien évidemment vous le faire partager nous voilà alors, euh, levant le voile euh, sur ce mystère insondable, euh, quand j'étais petit, et euh, même quand j'étais grand, puisque euh, cette petite histoire a dû durer à peu près 12 ou 13 ans, je faisais du jeu de rôle sur table avec un groupe d'amis, et même plus, puisqu'on jouait avec des gens qui n'étaient pas spécialement mes amis, mais qui voulaient jouer, dans un club dans le sud-ouest. Euh, et. Euh, ça a certainement été les meilleures années de ma vie. cest dire que le jeu de rôle a représenté une part très, très importante de mes activités quotidiennes, de mes amitiés, de mes soirées, de mes week-ends, de mes études aussi. J'ai raté quelques années d'études à cause de d'un de, de certain dilettantisme et de beaucoup, 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 beaucoup de jeux de rôle. Et euh, tout ça s'est arrêté, euh, je dirais, quand j'ai eu 20. 29 ans peut-être, 29-30 ans à peu près. Euh, tout ça s'est arrêté parce que eh ben, j'ai déménagé, euh, je me suis marié aussi dans la foulée, et euh, j'ai perdu mon groupe d'amis, parce que bon, le mariage en soi, ce n'est pas gravissime, si ce n'est que j'ai changé de ville parce que je me suis marié. Et donc j'ai perdu euh, tous les amis, j'ai perdu les clubs où je jouais, et je me suis dit, bon, ben, on va faire une croix sur cette activité, euh, malheureusement, parce qu'elle me plaisait beaucoup. Donc j'ai remisé dans un coin euh, mes scénarios, mes livres de règles, mes campagnes, euh, mes dés, etc., euh, comme des reliques, en me disant, bon, ben voilà, je ne peux pas les jeter parce que j'ai passé trop de temps, mais concrètement, ça ne me servira plus jamais à rien. Et j'ai pas oublié, j'ai juste fait une croix dessus, et je me suis dit, il y a quelques années de ça, euh, est-ce qu'on est qu pourrait pas faire ça en ligne, tout simplement il faut trouver les gens, il faut trouver le matériel, il faut que ça soit plaisant, convivial. Euh, J'ai mis du temps à trouver les gens, euh, mais je les ai, alors j'essaie de les garder maintenant, hein. mais je les ai. Euh, et le matériel, c'est un vrai souci, parce que euh, honnêtement, ce qui est euh, proposé actuellement comme, comme programme euh, pour faire du jeu de rôle en ligne ne me plaît pas du tout. Alors un, euh, soit c'est gratuit et c'est nul, soit c'est cher et c'est bof. Et euh, moi j'ai besoin de trucs sur mesure en fait. J'ai besoin de trucs qui s'adaptent vraiment à ce que je veux faire. Je ne veux pas moi euh, m'adapter à un outil qui permet ou ne permet pas des choses. Je veux que l'outil s'adapte à moi. Qu'il autorise ce que j'ai envie d'autoriser et qu'il interdise ce que j'ai envie d'interdire. Et c'était un petit peu euh, la condition sine qua non, c'était de trouver le super outil que je veux. Bien évidemment, ben je ne l'ai pas trouvé. Hein, voilà, je cherche la perle rare, il y a peu de chances quand même que tu tombes dessus. Donc je me suis dit, ben écoute, euh, tu vas le faire. Voilà, puisqu'il n'existe pas, euh, tu vas te faire euh, ton outil sur mesure. Ça m'a pris 15 jours. Alors il est. Euh, C'est pas qu'il est terminé, hein, il est quand même terminé à 90%, mais quand vous avez un outil qui est fait à votre botte et à votre main. Et que vous avez accès euh, à son contenu intégralement, ben vous passez un petit peu votre temps à le peaufiner. Mais on va dire que globalement parlant, le, la table de jeu est euh, voilà, elle est prête, euh, elle est disponible. Euh, mes joueurs l'ont déjà testé, ce qui nous a permis de relever euh, quelques petites incohérences, quelques petites modifs à faire que j'ai faites. Et puisque j'ai maintenant l'outil, puisque j'ai maintenant les joueurs, ben je me replonge dans le jeu de rôle avec grand plaisir et grande difficulté parce que j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu des facilités. Euh, mon esprit n'est plus entraîné à pondre des scénarios en claquant des doigts. Je me souviens d'une époque lointaine, du coup, où euh, on jouait tous les soirs. Voilà. Pour, euh, pour être simple, on jouait littéralement tous les soirs de toutes les semaines de toute l'année. Euh, et euh, il fallait que je crache, c'était moi le maître de jeu, donc il fallait que je crache des scénarios euh, non-stop. Et ça sortait tout seul, ça sortait vraiment tout seul. Et là, il faut que je remette en place des automatismes, il faut que je remette en place plein de choses. Mais ça viendra, ça va, j'ai assez confiance. Si mes joueurs savent être un petit peu patients euh, le temps que je, je me dérouille, euh, voilà, ça va revenir. Mais les débuts sont assez sympathiques, euh, il, faut, il faut aussi gérer un, un nouvel impératif dont je n'avais pas l'habitude, c'est que les choses sur, euh, sur table virtuelle prennent plus de temps que sur table euh, réelle. En Il fait. y a des, des choses qui se passent entre les joueurs quand ils sont là autour de vous, qui ne se passent pas quand ils sont à distance, et euh, toutes les mécaniques ben, prennent quelques secondes en plus. Sauf que seconde plus seconde plus seconde, ça fait minute, euh, et euh, certainement que minute plus minute plus minute, ça fait certainement une demi-heure ou une heure euh, dans la vue. Et donc du coup, il faut que je simplifie au maximum tous les process pour réduire ce temps supplémentaire pour pas que mes joueurs soient saoulés. C'est un, un peu ça le véritable challenge en fait, c'est que la partie coule de source et que les joueurs soient un peu moins impactés par le fait que c'est virtuel. Donc on met, on met tout ça en place. Euh, ce qui fait donc qu'il euh, va y avoir une série de vidéos sur le sujet. Euh, la première qu'on fait là, c'est euh, je vais vous présenter un petit peu euh, le système technique de fonctionnement. Euh, je ferai peut-être une deuxième partie très courte sur le système tactique de fonctionnement, les règles. Parce que, euh, après réflexion, je décidais de ne pas m'appuyer sur quelque chose d'existant, pas trop, comme ça. Euh, J'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux de rôle dans ma vie. J'ai expérimenté, on va dire, beaucoup de règles différentes. Euh, mon coup de cœur, mes coups de cœur, ça a toujours, toujours été Donjon et Dragon. Voilà, c'est vraiment né dedans et j'ai du mal à m'en affranchir. Mais comme dans le groupe, il y a aussi euh, un joueur débutant, euh, je, les règles Donjon et Dragon comme ça en plus à distance, pas si évident que ça. Donc, je les ai un peu simplifiées. Donc, je me suis créé mon corpus de règles. Euh, j'ai piqué à gauche à droite des choses qui m'avaient intéressé. J'ai récupéré des règles maison que j'avais créées il y a très très longtemps et je me suis arrangé pour que le tout, une fois mixé, soit simple, euh, compréhensible et euh, et ne rebute pas des euh, joueurs débutants. Donc les règles sont créées. Honnêtement, euh, alors il y a eu quelques modifs récentes parce que encore une fois, en expérimentant, on est un peu en bêta test en fait. Donc on expérimente des trucs, donc on fait des petits ajustements, mais globalement le système est là. Euh, la table de jeu est là, même si, comme je vous l'ai dit, il y aura deux, trois petits arrangements. La campagne a commencé, euh, ma foi, plutôt pas mal, si ce n'est cette petite histoire de longueur, parce que. Alors, j'ai pas, fi pas filmé le début, début, début. Euh, justement, parce qu'il y avait trop d'ajustements à faire et c'était pas très intéressant. Euh, chacun de mes joueurs a commencé par jouer. Euh, une partie personnelle où il n'y a que lui et moi en fait pour les jeter un petit peu dans l'histoire avec un petit bagage personnalisé et que leurs personnages prennent une dimension en dehors d'un groupe donc ils ont joué ils sont trois ils ont joué tous les trois euh, ces parties là n'ont pas été filmées et euh, nous avons fait le week-end dernier la première partie à trois donc les trois joueurs se sont rencontrés pour la première fois et ont vécu leur première histoire. Euh, qui n'est pas déplaisante. Par contre, elle, elle est filmée. Et je me retrouve avec 4h30. Euh, et c'est même pas à dérocher, puisque c'est 4h30, plutôt concrète, en fait. Et c'est chaud à traiter. Vous voyez, derrière moi, là, actuellement, il y a la première demi-heure qui est en train d'être montée. Et j'ai 24 heures de traitement pour la faire sortir, la vidéo. Euh, donc, 24 heures pour une demi-heure. Faites le calcul, j'ai 4h30 à faire passer. Voilà, donc il va falloir que les parties se raccourcissent sérieusement. Euh, et pour ça, j'ai tout un tas d'innovations pour ça, aille un petit peu plus vite. Et il faudra moi que je me mette un timer sous les yeux pour éventuellement arrêter les scénarios avant leur fin écrite. J'ai encore du mal à évaluer la durée réelle de ce que moi j'écris en termes de jeu. Voilà, c'est, il y a, j'ai un petit souci à ce niveau-là. Et c'est l'expérience qui va parler, hein, c'est-à-dire que à force d'en faire, je vais avoir des, des, dire, des points de référence. c'est-à-dire que Je vais savoir que euh, si je mets telle phase de roleplay, ça va à peu près prendre tant de temps de jeu. Si je mets tel combat, ça va à peu près prendre tant de temps de jeu. Et voilà, je vais essayer de ne pas capter mes joueurs pendant quatre heures et demie. Ça a été long, très honnêtement, ça a été long. Il y a une sorte de combat final qui euh, j'aurais pas dû lancer, en fait, que j'aurais dû garder pour la fois d'après, parce que il a pris beaucoup de temps et c'est d'ailleurs suite à ce combat là que j'ai remanié toute la partie combat et figurine de la table de jeu pour que ça aille encore plus vite, euh, pour pas moi m'interdire des combats avec beaucoup de personnes et euh, pour pas que ça prenne deux heures en gros. Euh, voilà, le, le truc est lancé. Euh, que vous dire de plus? Euh, que vous dire de plus? moi ça, ça, voilà, ça m'amuse beaucoup, euh, ça me renvoie dans euh, dans mes jeunes années, euh, et ces choses-là que j'aimais tant, et finalement, quelque part, les figurines, les jeux vidéo, ce sont des airs de ça. Donc Je retourne vraiment à mes premières amours. Je ne sais pas si ça trouvera son public ou pas, c'est pas dramatique, vous savez que je ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je lance des trucs, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais plus, euh, je suis comme ça. Ça m'évite de faire des vidéos comme... Comme les youtubeurs qui marchent, hein, qui au bout d'un an et demi font une vidéo en mode euh, je suis pas heureux, j'aime pas ce que je fais, euh, je suis prisonnier de mon public, je fais des trucs juste parce qu'ils marchent euh, et je fais pas ce que j'ai envie de faire, eh bien moi ça sera jamais mon cas, je tomberai juste jamais là-dedans. Euh, voilà, on va enquiller, alors je vais redevenir tout petit euh, dans un coin de, de truc et euh, je vais vous présenter un petit peu tout le barnum. Allez en piste! La première partie n'a pas été la plus simple, n'a euh, pas été la plus longue non plus. Il fallait forcément euh, créer un environnement euh, accessible en ligne. Voilà. Et euh, la plupart des environnements accessibles en ligne, euh, la plupart des serveurs se louent. Et euh, vous me connaissez maintenant, je pense, suffisamment pour savoir que je déteste balancer mon pognon dans ce genre de conneries. Surtout qu'au final, ça finit par coûter assez cher. Et euh, il fallait que je me débrouille. Du coup, une partie de mon ordinateur s'est transformée en serveur internet. Voilà ce que vous avez devant vous. Euh, puisque tout se passe dans, dans un navigateur, hein. c'est pas un programme, c'est pas un exe qu'on lance hein, que les gens ont téléchargé et installé. Les gens se connectent sur mon ordinateur dans ce qui pourrait être un site internet. Hein. Ça pourrait ressembler à ça, si ce n'est que les différentes pages propose, non pas un site, mais un livre de règles, des feuilles de personnages et des tables de jeu. Vous arrivez... Voilà, ça c'est la page où vous débarquez quand vous arrivez sur mon adresse IP, euh, parce que je la donne à mes joueurs au début de la session. Vous savez sans doute que les adresses IP sont aléatoires et changent un petit peu toutes les semaines, tous les quinze jours. Donc du coup, à chaque fois qu'on commence sur Discord, je leur file mon adresse IP du jour. Ils débarquent donc ici, ils sont trois joueurs, donc... Vous avez leurs trois portraits, euh, vous avez derrière les portraits leurs feuilles de personnage, Mais cette page d'accueil est principalement le livre de règles. C'est-à-dire que vous avez les rubriques sur le côté, vous avez, alors non pas les classes de personnages, mais les carrières sur le dessus. C'est un petit détail qu'on abordera dans les, les règles de jeu. Et en fait, c'est pas d'une complexité folle. Ça veut simplement dire que quand mon joueur... Il a envie d'avoir une information sur comment marche ceci ou comment marche cela. Eh ben, tout simplement, il va ici, il clique dans le menu et il y a un résumé de ce qu'il a envie de savoir. Voilà, je, pour l'instant, je m'y attarde pas plus que ça. Admettons, je suis le joueur euh, 3. Voilà, je suis le joueur 3, ça veut donc dire que le joueur 3, quand il se connecte, il clique sur sa feuille de personnage. Voilà, il se retrouve sur sa feuille de perso, du très classique. Hein. Euh, la plupart des cases sont euh, statiques, c'est-à-dire que les informations ne bougent pas spécialement. Et vous avez dans le bazar des informations dynamiques qui sont reliées à une base de données. Typiquement, euh, les points de vie, euh, tout ce qui est défensif, donc armure portée, etc. Euh, le niveau, l'équipement de l'inventaire. L'équipement de l'inventaire, vous voyez que si par exemple je vais ici et que j'écris quelque chose de débile, je peux ensuite appliquer, modifier la petite case qui est en bas là, et du coup ça met à jour l'inventaire en question. Ce que je ne vais pas faire pour ne pas lui bousiller son truc. Euh, vous avez des cases armes avec valeur de toucher, dégâts des armes, bonus aux dégâts. Euh, vous avez des notes que l'on peut prendre. Vous avez des points de mana qui servent à lancer des sorts. Et vous avez sur le côté... Ici, voilà, des techniques de combat qui, euh, avec des petites cartes pour rappeler exactement à quoi sert la technique de combat. Tout simplement. Rien de bien complexe, assez c'est du résumé, c'est une feuille de personnage super classique. Et c'est pas tant ça que j'ai envie de vous montrer que, vous voyez tout en haut à droite, la table de jeu. C'est ce qui m'a demandé concrètement le plus de taf. Euh, et c'est ce que tout le monde recherche quand on pense jeu de rôle en ligne. Jeu de rôle sur table virtuelle, eh bien forcément on pense à une table de jeu qui rassemble plein d'informations que les joueurs peuvent partager entre eux et que le maître de jeu partage avec les joueurs. En haut de vers la table de jeu. Nous voilà sur la table de jeu. Euh, environnement de jeu. Alors j'ai essayé de le désencombrer au possible dans un premier temps. Il était beaucoup plus simple que ça. Et dans un second temps, euh, quand on a commencé à voir ensemble quels outils il leur manquait et quels outils il me manquait, ben je l'ai re-rempli à nouveau. Euh, alors, a-t-il l'air encombré Oui. Alors oui, principalement à cause de tout ce qu'il y a sur la partie gauche, en fait. Mais en fait, ce qu'il y a sur la partie gauche est juste, euh, juste indispensable et juste facilitant euh, notre boulot à tous. Euh, si je détaille... Vous avez tout en haut ce petit bonhomme là, qui comme vous pouvez le voir est déplaçable avec tout son petit barda. Comme c'est sur l'écran secondaire, je vais juste le passer sur l'écran principal pour mieux y voir. Voilà. Avec son petit barda autour, ce mec est déplaçable, ça veut dire que mes joueurs peuvent le coller absolument où ils veulent euh, sur la table, mais j'avoue que techniquement il est quand même plus sympathique là où il est. Vous allez vite voir pourquoi. Ça, c'est ce qui nous sert à gérer les combats, grandement. C'est-à-dire que vous avez, en même temps, les initiatives de groupe, qui sont l'espèce le, le, de dé qui est en bas à droite, avec les trois cases au-dessus, c'est l'init de groupe. Vous avez l'espèce de gros dé, avec un personnage stylisé dessiné dessus, qui sert à attaquer, faire les dégâts, et... Euh, localiser où l'attaque a frappé. Et vous avez sur la gauche et un petit peu à droite en haut, le joueur qui peut choisir et indiquer quelle arme il porte en main. Ce qui veut dire que si je suis avec deux armes, une épée et une dague, par exemple, ben je vais choisir épée et je vais choisir dague. Voilà, et en faisant ça, chaque joueur euh, indique au système euh, quelle arme il porte et donc quel dégât il peut faire. Une fois que le joueur a choisi quelle arme il porte, eh ben il suffit simplement de cliquer sur le dé en bas et ça indique à tout le monde quel joueur a attaqué en mettant son portrait en haut à droite quelle est la valeur de toucher en haut à gauche en l'occurrence le gars il a fait 12. quelle zone est touchée en l'occurrence le torse et en fonction de ce pourquoi il lançait l'attaque est-ce que c'était pour l'épée ou pour la dague ça lui indique que l'épée a fait 5 points de dégâts si c'est elle qui est utilisée, et que la dague a fait 3 points de dégâts si c'est elle qui est utilisée. Donc en l'occurrence, si mon joueur fait deux attaques, il fait la première en me disant je fais mon attaque à l'épée, on va regarder le 5 points de dégâts, et ensuite il va recliquer, je, je fais comme lui, je reclique, pour voir que le coup de dague, il a touché le bras gauche, et il a fait 2 points de dégâts. Voilà, c'est aussi con que ça. Et le coup à la dague, il n'a pas fait 12 pour toucher, ça c'était le coup à l'épée, il a fait 10. C'est aussi bête que ça. Ce n'est pas exempt de calcul. C'est-à-dire que le 10 pour toucher qui est en haut, c'est le 10 résultat au D. Donc si le joueur a des bonus ou des malus, il faut qu'il les ajoute pour savoir s'il a touché ou pas. Donc ça, lui, ça demande quand même un peu de travail du joueur. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans le jeu décide tout. Il faut que le joueur participe un petit peu à ce délire. Alors. J'ai simplifié les choses énormément, euh, mais j'ai simplifié euh, pas dans le calcul spécialement, j'ai simplifié dans. Euh, C'est comme si le joueur avait lancé une poignée de dés en fait. C'est comme s'il avait lancé en même temps le dégât d'arme, la localisation et le jet pour toucher. C'est tout ce qui est simplifié. Euh, C'est un peu tout ce qui a à voir là-haut. Si le joueur change d'arme, typiquement, euh, s'il prend une hache à la place de l'épée, quand il fera les dégâts, vous avez tous compris. Quoi. Donc on va désactiver les armes qu'il porte. Vous avez aussi le combat à main nue qui est là en bas, qui est activable. Et vous avez cette espèce de jambon ici qui représente ce qu'on appelle les armes improvisées. Mais j'en parlerai voilà, quand on parlera de règles. Euh, en plus de ça, vous avez donc ici en bas à droite, je vous ai dit, l'initiative de groupe. Ça veut dire qu'à tour de rôle, au début de chaque tour, mes joueurs lancent leur init de groupe. Comme ça. Voilà. Et ça détermine trois initiatives, en l'occurrence ici 1, 8 et 1. Euh, le premier cercle, donc le premier 1, on va dire, c'est l'initiative d'action de mes joueurs. Donc ils vont tous agir à 1. Le deuxième cercle, c'est l'initiative d'action des PNJ, gentils. De leurs alliés en fait ce que moi je joue mais pour eux et le troisième cercle c'est le dé d'initiative pour l'action des monstres des adversaires ça veut dire qu'en un seul dé on a une vision de qui fait quoi alors c'est moins euh, c'est moins euh, précis c'est moins tactique que si tout le monde faisait leur init mais c'est un gain de temps fou qui est juste nécessaire parce qu'on joue sur une table virtuelle donc voilà pour le gugus en haut avec ses armes, son init et tout. Si je regarde en dessous, euh, c'est assez compréhensible aussi. Vous avez toute la gamme de dés qui est là et vous avez euh, le tableau des résultats, on va l'appeler comme ça, qui est au-dessus. Ce qui veut dire que si par exemple à un moment particulier, je demande à euh, au joueur qui est sur cette table là de lancer un dé il va taper ici et il va me faire 43. Voilà, et c'est aussi con que ça, j'ai qu'à cliquer sur les dés et ça fait apparaître les résultats. Chaque joueur a sa propre ligne, vous voyez qu'il y a un œuf qui se balade, c'est le joueur 3 qui a fait un œuf à un moment, euh, ça permet d'identifier qui vient de lancer le dé. Et ça, ça ne participe pas au combat au final, puisque tous les dés de combat sont au-dessus. Ça, c'est pour les jets de caractéristiques, le plus souvent. Je vous avoue même que... D'une manière générale, je pourrais simplifier en enlevant certains dés. Parce que, euh, vu que tous les dés de combat sont en haut et que tous les dés de dégâts sont en haut, honnêtement, par exemple, le D12, plus je le regarde, plus je me dis qu'en fait, euh, il ne sera juste jamais utilisé et que je pourrais gagner de la place. Euh, qui va utiliser ça euh, Alors, les, les caracs, c'est un D20. Les pourcentages, c'est un D100. Ok euh, certains sortilèges vont demander euh, certainement du D6, du D8, du D12, du D4. Voilà, il va falloir que je réfléchisse. Je pense que j'ai moyen d'enlever des dés pour simplifier encore plus ça et que ça prenne moins de place. Mais voilà, vous avez le principe, sachant que tout comme l'interface de combat, ça se déplace, c'est-à-dire que votre truc de dés, vous le foutez où ça vous arrange. On a fait la partie de gauche. La partie euh, de droite. Allons-y. Vous avez en bas les portraits des joueurs, vous avez leurs points de vie euh, avec leurs blessures. Typiquement, vous voyez que le joueur 3, actuellement, il a 32 points de vie sur 44. Euh, ça permet pour eux d'avoir une espèce de vision d'ensemble euh, de euh, où en est l'équipe. C'est un peu ça l'idée. Vous avez un zéro qui est en dessous de leur nom. Ça, c'est leur point de fatigue. C'est un peu spécial, c'est quand ils font du combat à main nue. Mais on verra ça dans la partie règle. Euh, si jamais ils cliquent sur leur portrait, voilà, ça leur affiche, ça leur rappelle quels sont leurs leur scores de caractéristiques. Et comme ils n'en ont pas besoin tout le temps, euh, ça peut faire apparaître ou disparaître. Euh, rien de plus de ce côté-là particulièrement. À côté, vous avez un petit bouton Play. Alors, le petit bouton Play, il sert à quoi Il Met de la musique d'ambiance, euh, c'est des morceaux alors que j'ai vraiment pré-calculé euh, pour qu'ils puissent boucler. Donc, c'est des musiques qui peuvent s'écouter en boucle qui sont pas trop prégnantes, euh, c'est-à-dire qu'elle euh, n'interrompt pas nos discussions. Euh, si un joueur n'a pas envie de musique parce qu'il veut mettre sa propre musique ou qu'il veut du silence, mais il appuie sur le bouton, ça arrête. Et en fait, cette musique change en fonction des. Euh, des prestations qu'on active sur la table en fait. C'est-à-dire que là, on est en mode roleplay, donc la musique elle est un peu tranquille, un peu mystérieuse, voilà. Et il y a une fonctionnalité euh, champ de bataille, et il y a une fonctionnalité exploration. Et quand on ouvre ces fonctionnalités-là, ben la musique elle passe en mode champ de bataille, un peu plus entraînante, ou en mode exploration, un peu plus flippante. Voilà. Pour l'instant, je vais la couper. Hop là. Euh, nous avons ensuite cette espèce de bouclier qui est en bas. On se croirait dans un jeu vidéo parce qu'en fait, le bouclier, c'est une barre de raccourci. Mes joueurs ont soit des techniques de combat, soit des sortilèges. Et en fait, je leur ai conçu des sortes de barres de raccourcis qui leur rappellent quelles techniques ils ont. Et euh, il suffit qu'ils cliquent dessus et ça leur indique. Vous voyez, par exemple, je vais, admettons dans un combat, euh, le joueur 1, parce que je suis chez le joueur 1, là. Le joueur 1 utilise cette technique, il clique dessus, tout simplement. Et ça va rappeler au-dessus de la technique, voilà, un petit point qui lui dit, celle-là, tu l'as déjà utilisée une fois. Parce que les techniques s'utilisent un certain nombre de fois. Donc il faut garder une trace de combien de fois un joueur a utilisé telle ou telle technique. Donc voilà, ça leur fait un petit aide mémoire. Et vous verrez ensuite que moi aussi, ça m'indique ça quelles techniques ont été utilisées chez eux. Sauf que quand on n'est pas en combat, cette barre-là, ils n'en ont juste pas besoin, donc du coup, ils ont qu'à la cacher, simplement. On a vu, euh, alors honnêtement, je dirais qu'on a vu 30% de ce qu'il y a à voir. Le reste, c'est complètement en haut, à droite. Le petit plus, quand on le déplie, on a accès à cette fenêtre, qui pour l'instant sont cachées, donc elles ne nous parasitent pas, on ne les voit pas. Mais quand on clique sur les boutons, on fait apparaître ou disparaître les fenêtres en question. Typiquement, la fenêtre 1, voilà ce qu'elle contient. La fenêtre 1 contient la carte sur laquelle on joue. Je peux l'agrandir euh, tant que j'ai envie, la rétrécir tant que j'ai envie, je peux la déplacer, je peux la faire disparaître, la faire revenir, voilà. C'est euh, avec ça que je partage des, euh, des documents, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient images avec les joueurs. Et des fenêtres de partage comme ça, en fait, j'en ai cinq. Voilà, ça veut dire que typiquement ça, c'est la carte du village. Les joueurs peuvent passer de l'une à l'autre autant qu'ils ont envie. Tout simplement. Euh, je vais les refermer parce que les cinq premières sont rigoureusement identiques, donc il euh, n'y a pas de raison particulière de les afficher les cinq en même temps. Pour regarder un peu plus attentivement ce qui m'a demandé... Euh, bah, 15 jours de taf en fait. C'est la petite case avec un D pour donjon et la petite case avec un B pour battleground, champ de bataille. Euh, alors, la carte donjon, là, le service donjon, on va dire, euh, je n'ai pas trop m'y attarder parce qu'il demande que j'active beaucoup de choses pour qu'il ait l'air de, de truc. Donc, j'en parlerai puisque je le montrerai. Par contre, le champ de bataille est euh, plus sympathique. Alors, le champ de bataille, je vais l'ouvrir pour les joueurs. Voilà. Voilà à quoi ressemble le champ de bataille. Petit aparté, j'ai remis les choses dans l'état. Vous voyez que c'est beaucoup moins prégnant. Euh, en fait, il se trouve que deux de mes joueurs... Joue avec des écrans, avec euh, certaines résolutions. Voilà. Et du coup, euh, j'ai installé un petit add-on qui euh, me montre à quoi ressemblerait ma fenêtre si je jouais avec des petites résolutions. Ce qui était activé au moment où je vous ai tout montré. Donc voilà la vraie dimension. Je me disais aussi, c'est quand même gros. Euh, voilà, voilà la vraie résolution euh, que mes joueurs ont. Donc vous voyez que voilà, c'est quand même un peu plus rangé dans les coins, c'est moins violent, ça reste lisible, le principe est absolument le même, mais bon. Euh, donc disais-je, champ de bataille. Voilà la carte du champ de bataille qui actuellement a, euh, on va dire l'équivalent d'un écran d'accueil euh, pour pas que ça soit complètement vide. Moi ce que je fais en fait, c'est que de mon côté, j'ai qu'à aller à l'endroit où sont rangées mes cartes. Euh, je vais en prendre une, euh, celle-là, et j'ai qu'à renommer ma carte pour que le système se dise Ah tiens, la carte de référence a changé et me l'affiche. Voilà, par exemple, à quoi ressemble une carte de combat. Alors, ça, ça se passe de nuit. Les cartes, je les fais sur Photoshop derrière moi, donc je peux faire des petits effets sympas. Typiquement ici, des petites zones de lumière qui, qui rendent le truc un petit, peu, un petit peu plus vivant. quoi Je me suis fait une collection de tout un tas d'éléments. Euh, sur fond transparent pour pouvoir bricoler mes cartes, mettre des arbres, des, des maisons, des terrains divers et variés, ce qui fait que je peux cracher des cartes assez facilement au final. Euh, vous me direz, mais cette carte pour l'instant elle a l'air bien vide. Alors oui, elle a l'air bien vide, mais elle a l'air bien vide parce qu'on est sur l'interface joueur. Euh, et le joueur, à part contrôler son propre perso, il ne peut pas contrôler grand-chose. Moi, quand je suis euh, sur la table de jeu, j'ai l'interface maître de jeu. Voilà, vous avez sous les yeux l'interface maître de jeu. Qui ressemble beaucoup, hein, franchement. Il euh, y a le même délire, vous voyez, il y a le personnage, il euh, y a les dés. Euh, sauf que vous voyez que moi, les dés, par exemple, je n'ai pas les petits dés à lancer. Moi, je lance des vrais dés chez moi, en fait, grosso modo. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les dés à lancer en dessous. J'ai le même délire qu'eux, parce qu'en fait, quand je fais des combats et que j'utilise des ennemis ou des PNJ. Je vais, je vais utiliser le même délire, c'est-à-dire que je vais cliquer moi aussi sur le dé et indiquer quelles armes ils portent. Il y a une forme de transparence qui fait que mes joueurs vont voir mes g de d vont voir les localisations, vont voir les dégâts, et il n'y aura pas cette idée sous-jacente que ben, de temps en temps je triche pour leur sauver la vie ou pour les foutre dans la merde. Euh, la différence que j'ai avec eux, c'est que vous voyez que moi j'ai des boutons orange ici, là, ici et là, ça me permet de reset en fait. Ça veut dire que quand j'ai besoin que tout soit un peu clean, j'ai qu'à cliquer sur ces boutons là et en fait tout se remet à zéro, tous les lancers que les joueurs ont faits se remettent à zéro et euh, on peut repartir sur un truc propre. Et moi quand j'ouvre le champ de bataille, voilà, moi j'ai ça à l'écran. C'est pas le même délire, il hein, y en a un petit peu partout dans tous les sens quoi. Euh, vous voyez que sur la gauche du champ de bataille, j'ai des trucs qu'on voit presque pas. C'est les, les tokens qui représentent les monstres, les joueurs, les PNJ. Et autant pour les joueurs, ils sont invisibles. Autant pour l'interface maître de jeu, bah, ils sont transparents un petit peu, de, de manière à ce que moi, je puisse les voir. De manière à ce que moi, je puisse les placer à l'avance. Par exemple, on va prendre euh, celui-là. Voilà. Euh, non, pas celui-là, j'ai pas envie. Celui-là. Je le place à l'avance. Mes joueurs ne le voient pas. Et quand j'ai besoin que mes joueurs le voient, ben je le rends visible, tout simplement. C'est plus sympathique pour préparer des embuscades, préparer une carte à l'avance. J'ai qu'à les placer en invisible, et quand mes joueurs sont prêts, tac, je fais apparaître les trucs. Alors vous voyez que moi je peux les déplacer. Là. Euh, si là je bascule sur la table du joueur 1, ben lui aussi peut le déplacer, puisqu'il est le joueur 1. Par contre, si je fais apparaître. Euh, on va faire apparaître un monstre. Si je place un monstre ici, le joueur 1, lui, le voit, mais par contre, il ne peut pas y toucher. Il voilà, n'y a que moi qui les déplace. Vous pouvez voir que sur la partie droite, j'ai plein de petits trucs d'action à, à côté des tokens des joueurs ou à côté des tokens des monstres. Euh, j'ai leur point de vie, donc leur point de vie maximum et leur point de vie résiduel. Quand on a arrêté la partie de, du week-end dernier, par exemple, certains PNJ étaient blessés. Donc typiquement, vous pouvez voir l'état des PNJ et leur point de vie maximum. Donc certains étaient très blessés, d'autres peu blessés. Enfin bref. Comme ça, ça fait que quand on recommence la partie, si, si je ne fais pas la bêtise d'effacer les cases, leurs points de vie sont toujours là puisque tout est relié à une base de données. Euh, Qu'est-ce que je peux faire apparaître euh, sur ce monstre, par exemple, qui est là? Je peux euh, faire apparaître un petit point rouge en dessous. Je peux faire apparaître un petit point bleu sur le côté. Je peux faire apparaître un petit point euh, vert sur l'autre côté. Ce sont des états. C'est pour indiquer au joueur euh, dans, euh, dans quel état se trouve tel monstre. Alors le petit truc bleu sur le côté, là. Celui-là, c'est pour dire... Euh, pour dire incapacité. C'est quand, un, quand une créature tombe en dessous de zéro point de vie. C'est vraiment dans un sale état. Le petit truc de l'autre côté, c'est pour dire assommé. Voilà. Parce On peut être assommé avec plein de points de vie. On peut être incapacité et assommé. Enfin, c'est une, une histoire de règles. Et le petit point rouge en dessous, c'est pour dire a perdu la moitié de ses points de vie. Alors là, je l'ai fait apparaître moi en cliquant. Mais il se trouve qu'actuellement, le système est fait de telle façon que quand réellement le monstre a perdu la moitié de ses points de vie, le point rouge apparaît tout seul en fait. Je n'ai pas à m'en soucier plus que ça. Et le petit point blanc qui est au-dessus, euh, c'est un état que... qui est par défaut. Vous voyez qu'ils l'ont tous au-dessus, le petit point. C'est une sorte de posture défensive en fait qui est naturellement là et qu'il faut nommément enlever si on n'en veut pas. Et la posture défensive entraîne un malus pour toucher. Mais de base, tout le monde l'a. On va, on va dire ça comme ça. Euh, si j'ai plusieurs euh, monstres qui se ressemblent, donc par exemple à lui, mais si je, si, si je dégaine ces monstres-là, voilà. vous voyez qu'en fait l'image du monstre est rigoureusement la même. Or, pour parler à mes joueurs, il vaut mieux qu'on arrive à les différencier. Et plutôt que de dire bah, le groupe qui est à droite ou le groupe qui est en haut, etc., etc., j'ai placé... Des petits cercles avec des numéros dedans. Donc du coup, je peux dire le groupe 1, le groupe 2, ce qui est bien plus intéressant pour mes joueurs et un gain de temps assez fou. Donc voilà en ce qui concerne les tokens. Alors comment je fais pour changer les images En fait, c'est très simple. J'ai un répertoire. Dans le jeu, j'ai un dossier où il y a les images des tokens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'en ai 13 d'avance, on va dire. J'ai qu'à changer l'image dans le dossier. Et en fait, le token numéro 1, là, le héros, là, ici, il est censé prendre l'image 1. Donc peu importe l'image 1 que je vais mettre, dès que j'appelle une image 1, elle apparaît dans le token. Ça me permet de mettre à jour quasiment en direct les tokens dont j'ai besoin. Mais je vous avoue que normalement, je les prépare un petit peu à l'avance. Euh, donc je n'ai pas à faire ce délire-là. Mais admettons, arrive un combat imprévu. Mais en fait, je me suis fait une collection d'images de tokens, d'à peu près toutes les créatures qui peuvent croiser, et j'ai qu'à les appeler euh, 4, 5, 6 par exemple, et ils vont prendre la place du quatrième, du cinquième et du sixième. Ça me permet de créer des tokens en claquant des doigts. Euh, autre effet particulier, le petit R là qui est en haut à gauche, il me permet de réinitialiser et de ranger tous mes tokens bien en ligne euh, et d'éteindre tous les effets qu'ils avaient. Voilà, c'est très pratique quand on repart de zéro. Vous pouvez voir en bas qu'il y a marqué 2 parce qu'on est au tour 2. A chaque fois que je reset l'initiative, il y a un tour 3, et 4, et 5. Ça augmente le nombre de tours. Et quand le truc est terminé, j'ai qu'à cliquer sur le X en dessous. Et ça veut dire que le combat est terminé et que le prochain pourra à nouveau commencer au tour 1. Donc voilà pour tout ce qui est créature, voilà pour tout ce qui est token. Et sur le côté droit, ce sont des effets spéciaux. Alors effet spécial par exemple, on va prendre celui-là. Voilà. C'est des tokens qui me permettent de placer des effets spéciaux de brume, de flamme, de, de tout ce que j'ai envie de placer en fait. Ils, euh, ils agissent exactement comme les, les tokens d'êtres vivants, c'est-à-dire que j'ai qu'à remplacer le dessin dans le bon dossier et l'image de l'effet spécial change. Donc j'ai une collection d'effets de, spéciaux et je peux les remplacer en plein, en, en plein combat dès que j'en ai besoin. Donc le truc de, de, de smoke qui est là, par exemple, euh, il est intéressant, mais le souci que j'avais, c'est qu'il avait une taille définie. Donc il a fallu que je puisse modifier tout ça un petit peu à la volée, et c'est pour ça qu'il y a les petits dessins euh, qui sont bleus sur le côté. Alors le petit dessin qui est en haut, par exemple, si je clique dessus, ça me permet de faire pivoter le token. Voilà. Il a fait euh, 90 degrés. Et en fait, à chaque fois que j'appuie, ça rentre dans la base de données que ça a pivoté. Et quand le truc se met à jour, il fait pivoter. Alors pour la fumée, je vous l'accorde, on s'en bat un peu les couilles. Mais par exemple, si je fais apparaître ceci, une charrette avec un cheval, du coup, ça devient pour moi super important que je puisse lui donner un sens. faut pas que j'ai... Euh, quatre tokens différents de la charrette qui est tournée dans quatre sens différents, ça serait juste impossible à gérer. Donc du coup, j'ai cette possibilité d'avoir des directions qui sont 90, 90, 90. Honnêtement, je m'embarrasse pas spécialement avec des 45 degrés. Euh, vous voyez que j'utilise des cases et pas des hexagones, ça me simplifie un peu le travail. Et les autres petits trucs, ça sert à diminuer la taille ou augmenter la taille. Typiquement sur ce gros nuage de fumée, si j'ai besoin d'un nuage de fumée est plus petit, eh j'ai qu'à simplement cliquer sur la petite flèche vers le bas et je réduis la taille de mes effets spéciaux de 25% en 25%. Tout simplement. Et si je clique sur l'autre, eh c'est l'effet inverse. Je veux augmenter la taille de 25 jusqu'à atteindre 200% de la taille. Comme ça, j'ai un petit nuage de fumée. Et quand j'ai besoin de reset tout ça, je clique sur le dernier petit dessin, celui qui est en haut à droite. Et ça me remet la taille à 100%. Voilà, avec ça, je peux dynamiquement faire n'importe quel effet spécial. Ils sont tous déplaçables. Je peux les faire apparaître et disparaître. Euh, là, je vais faire disparaître le cheval. Ici, par exemple, c'est un effet d'explosion. Euh, voilà. Trop grand, trop petit. Je fais, euh, je fais tout ça comme je veux. Vous voyez que les, ce sont des PNG avec un petit peu de transparence. Ce qui fait que ça laisse quand même un petit peu voir ce qui est en dessous. Je me les fais moi-même sur Photoshop. Je les récupère sur Internet. Voilà, j'ai ma collection. J'ai mes effets spéciaux quand j'en ai envie. Là, ça, c'est une zone de flamme, par exemple. Euh, si je veux qu'elle soit plus grande que ça, elle le sera. Si je veux la faire pivoter, je la fais pivoter. C'est magique. Franchement, c'est euh, assez excellent. Et là, en fait, on est sur un écran... Euh, une table de jeu 2560 pixels sur 1440. C'est ce que moi j'ai et c'est ce que le joueur 1 a. Et je me suis retrouvé avec euh, donc des joueurs en 1920 par 1080. Et tout ça était vraiment trop gros. Donc j'ai tout redimensionné pour que ça soit à leur taille. Mais cette table de jeu-là, cette fenêtre-là, elle, je ne peux pas la redimensionner. Parce que sinon, avoir la position des tokens devient plus compliqué. Donc il a vraiment fallu que je leur fasse... Un truc sur mesure tout en gardant cette table là à la même taille et du coup pour eux la table prend quasiment toute la table de jeu et on ira faire un tour après et donc là j'en ai plus besoin voilà Il euh, y a un petit plus en bas à droite qui n'y a pas sur la table de jeu des joueurs. le petit plus c'est mes outils de maître de jeu voilà quand je clique, je les fais apparaître et du coup je peux infliger des dégâts à chaque joueur et qu'à rentrer la valeur de dégâts ici et ça va là l'enlever ou l'ajouter au point de vue du joueur. Je peux leur ajouter des points de fatigue quand ils font des combats à main nue. Je peux leur donner un niveau quand ils franchissent un niveau. Euh, je peux les faire se reposer. J'ai deux icônes pour les faire se reposer. Alors, il y en a un, c'est quand ils se reposent avec une bonne nuit de repos, et un quand ils se reposent avec une mauvaise nuit de repos. Euh, je peux remettre leur vie au maximum. Imaginez, on commence un scénario, il s'est déroulé une semaine, donc tout le monde est soigné. Ça m'évite d'avoir à remettre les points de vie manuellement. Donc tout le monde revient à tout ça et je peux remettre leur mana full parce que la mana se régénère après une nuit. Donc tous les matins, jusqu'à qu'à cliquer sur le bouton et mes lanceurs de sorts, en l'occurrence mon lanceur de sort récupère toute sa mana. Et le reset token, ça c'est quand je modifie les images dans mes dossiers pour que les joueurs voient la nouvelle image. ben il faut que, il faut que je clique sur ce bouton. Il y a une mécanique derrière, pas bien compliqué mais mérite pas d'être expliqué mais ça fait que quand ils ont les images en cache ça vide leur cache et ils récupèrent les nouvelles images et quand j'ai pas besoin de toute cette interface et bien simplement je la planque vous pouvez voir aussi qu'au-dessus des portraits de deux joueurs il y a en fait le résumé des compétences qu'ils ont et quand ils les utilisent je vois apparaître les petits points lumineux au-dessus des compétences ça me fait moins un rappel de qui a utilisé quoi des fois que les joueurs oublient ou aillent trop loin, moi j'ai mon résumé chez moi aussi. Je vais rester sur l'interface maître de jeu pour aller voir le donjon. Le donjon, alors vous voyez que l'interface elle est quand même vachement plus simplifiée. J'ai mes trois joueurs qui sont en haut à droite, et en fait je peux les faire apparaître. Alors, c'est ce que je vais faire, je vais faire apparaître le joueur 1. Voilà. Je vois le joueur 1, vous voyez que je peux déplacer le joueur 1, et il a une espèce de zone blanche autour de lui. C'est ce que le joueur voit. Alors moi, actuellement, je vois tout clairement, et je vois euh, la zone blanche. Vous allez voir maintenant que si je bascule chez le joueur 1, et que j'affiche le donjon, voilà. Voilà ce qui se passe chez le joueur 1. Il peut déplacer son perso, mais son perso, lui, ne voit que ce qu'il y a autour de lui, tout simplement. Ce qui fait que si je mets une carte de donjon, la personne n'aura conscience du, des salles, des pièces et des couloirs qu'autour d'un certain axe autour de lui. Ce qui fait que mes joueurs qui explorent un donjon, s'ils ne sont pas à côté les uns des autres, vont devoir communiquer oralement pour dire ce qu'ils voient eux. Ça va faire des petites interactions entre eux et pas une espèce de carte générique où tout le monde a tout en tête parce que tout est dévoilé. Euh, voilà. Ça a été euh, un long combat de faire ça. Euh, ça, c'est le résultat final. Ce que je voulais au départ, c'était que les zones de vision des joueurs euh, soient communes. Donc, les joueurs voient ce que voyaient les autres. Après un long combat, j'ai réussi à le faire. J'étais assez content. Le problème, c'est que, euh, comme ça marchait avec des histoires de transparence, euh, ça demandait que les trois joueurs soient présents, ça veut dire que s'il y avait une exploration avec un joueur ou deux joueurs, le système ne marchait plus, ou alors était très compliqué à faire marcher quand même. Et du coup, bah, j'ai divorcé de cette idée, tant pis, et euh, j'ai fait euh, en sorte que chaque joueur ne voit que ce qu'il y a autour de lui. Plus la localisation des autres personnages. C'est-à-dire que si je fais apparaître le joueur 2, là actuellement à l'écran, on verra le joueur 2 mais dans le noir. On saura où il est sur la carte, mais on ne verra pas ce qu'il voit. Voilà, c euh... Et puis euh, finalement, c euh, ça se défend. Ça se défend de ne pas être conscient de ce que les autres joueurs voient. Ça isole un peu, euh, mais ça oblige la communication entre les joueurs pour expliquer où ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils voient. C'est pas une interface de combat. C'est pour ça qu'elle est aussi simple en fait. Euh, si jamais, euh, lors de l'exploration, on tombe sur des, ad sur des adversaires, eh ben, on bascule en champ de bataille, pour le coup. Donc euh, ce, voilà, ça me permet d'avoir un truc très simplifié pour l'exploration. On ne l'a pas encore utilisé, celui-là. Euh, voilà, le bêta test se fera, se fera très prochainement. Euh, mais euh, je pense que ça va donner des phases d'exploration assez sympathiques et assez flippantes. En fait. Voilà, le, le gros du gros, c'est clairement, clairement le champ de bataille avec tous les tokens, les déplacements, les combats, etc. Et c'est ça que j'améliore vraiment au quotidien. Euh, typiquement, euh, euh, tout ce qui est euh, localisation, euh, armes équipées et tout, euh, ça date d'hier. Hier, ça n'existait pas en fait. Hier, il y avait juste la localisation, ce qui fait qu'il fallait lancer le dé pour attaquer. Si ça touchait, il fallait lancer le dé pour localiser il fallait lancer le dé de dégâts. Et tout ça, multiplié par le nombre de fois où il y a des attaques dans un combat. C'était beaucoup trop long. Donc depuis hier, en fait, il y a euh, ce système euh, tout en un. Où euh, j'indique euh, ce que je porte dans la main droite, j'indique si je porte quelque chose dans la main gauche, et je fais mon dé, et j'obtiens d'un coup d'un seul. Je pense que vraiment là, on va gagner un temps fou, en fait. Voilà. Voilà la table de jeu. Euh, voilà la violence du truc. Euh, je vous explique pas que faire tout ça en 15 jours, en partant de rien, a quand même était euh, ça a quand même été violent ça a quand même été très violent j'ai le cerveau qui a chauffé euh, qui a chauffé à plusieurs reprises mais voilà maintenant euh, tout est fonctionnel tout est simple euh, je vais vous montrer quand même vous allez voir ça c'est donc la table de jeu du joueur 1 et de moi maintenant si je mets la table de jeu du joueur euh, n'importe quoi ça marche pas forcément si je mets la table de jeu du joueur euh, 3 et que j'active l'adaptation 1920-1080. Voilà. Vous allez me dire, ouais, bah globalement, c'est ce que voit le joueur 1, quoi. Alors, petit détail qui a son importance, vous voyez que les dés ils sont passés sur le côté. Pour écraser tout ça au maximum en bas. Parce que quand je vais ouvrir le champ de bataille, voilà la taille du champ de bataille. En 1920 par 1080. Et vous voyez qu'en fait, il bouffe quasiment tout. Les cases sont très très grosses. Euh, ouais, mais du coup, la localisation, elle se range bien sur le côté, les dés, ils se rangent bien en dessous, ce qui fait qu'ils voient tout. Ce qui a été compliqué, en fait, c'est de trouver une taille où les joueurs en 1920 voient tout, et les joueurs en 2560 voient suffisamment. Vous voyez que quand on regardait le champ de bataille sur le joueur 1, ça occupait une certaine partie de l'emplacement, pas tout, et c'était visible et qu'elles n'étaient pas microscopiques. Ben si jamais là je réduis la taille des cases, pour les joueurs 2 et 3, le joueur 1, lui, il va avoir un mouchoir de poche sous les yeux. Et la petite particularité euh, que je vais vous montrer, euh, je, vais, je vais changer la carte de fond pour vous montrer la carte du premier combat. Le premier combat s'est déroulé sur une carte très très grande. Voilà, que voilà. Et ce que j'ai mis en place pour le coup, c'est qu'en fait, cette carte de combat, on peut la slider. Voilà. C'est-à-dire que le combat peut se passer ailleurs que dans cette petite case-là. La case, on ne peut pas la toucher justement pour ne pas faire d'erreur en, en l'agrandissant, la rétrécissant, et après on n'arrive plus à retrouver la position sympathique. Le combat peut se passer ailleurs et on peut slider. Et comme du coup mes joueurs étaient capables de se perdre, imaginez on slide à fond, vous allez voir je slide à fond mais trop, voilà, je perds ma carte, je ne sais plus où je suis, il y a le petit point d'interrogation en haut à gauche. Et quand on clique dessus, ça remet le token du joueur qui est en train de regarder à peu près au centre de l'écran. Donc ça permet de revenir sur notre position. Voilà, ce qui permet aux joueurs de se perdre et de se retrouver assez facilement. Voilà, voilà où on joue. Voilà où on joue. Euh, C'est assez simple d'utilisation. C'est assez simple de, de compréhension. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'on a débugué tout ce qui ne marchait pas. Et alors évidemment, à chaque fois que je rajoute un truc, je prends un risque. Je retouche au code et je peux... Euh, des choses qui causent des bugs mais je pense qu'on a tout bien on a tout bien nettoyé environnement de jeu terminé on a fait le tour maintenant pour les plus courageux on peut parler un petit peu règles de jeu et tout ce que j'ai créé pour qu'ils jouent au maximum de la simplicité sans aller non plus dans le trop débile parce qu'il faut que les joueurs ça les intéresse allez on s'en va et on retourne sur le livre des règles nous y voilà. Euh, alors, il me, fallait, il me fallait quelque chose de simple, de dérivé de Donjons et Dragons, mais, mais euh, on va dire en laissant de côté euh, tout ce qui m'a toujours paru hyper lourdingue dans ADD. Et euh, si je devais placer les vraies grandes différences par rapport à un Donjons et Dragons classique, il euh, y a moins de caractéristiques. Euh, il y a une différence de traitement dans la montée de niveau euh, et il y a euh, des techniques de combat applicables euh, un peu comme si on jouait à Magic avec un jeu de cartes et on peut jeter des effets spéciaux un certain nombre de fois par combat. Euh, mis à part ça, euh, ça ressemble quand même pas mal. Les caractéristiques, par exemple, euh, il n'y en a que 5. Euh, vous les avez vues passer sur la feuille de personnage. Elles sont toutes très classiques, hein, rien de très surprenant. On se croirait dans un jeu vidéo. Hein, il y a force, force constitution, agilité, charisme. Hein. Et, et par contre, il y a euh, volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le fameux intelligence et sagesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractéristique qui est censée remplacer le cerveau du joueur. Le problème d'intelligence pour moi à Donjons et Dragons, c'est que c'est compliqué d'avoir un personnage plus intelligent que soi et c'est compliqué d'avoir un personnage moins intelligent que soi. Parce que quand on, le maître de jeu va vous placer une énigme, vous allez la résoudre avec votre intelligence de joueur et pas avec votre intelligence de personnage. Un type très intelligent qui joue un barbare con, n'empêche ben qu'il va comprendre des trucs de joueurs très intelligents. Donc, exit ça et à la place, il y a volonté. Qui euh, exprime plutôt la capacité du personnage à mémoriser et à retenir des trucs. Et la volonté sert dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est presque un petit peu le, le bon sens et la mémoire, d'une certaine façon. Euh, et il fallait bien une caractéristique mentale pour euh, toutes les compétences mentales et tous les jets qui ont rapport avec le mental. Donc, mmh. dans ce système-là, c'est la volonté. Euh, elles sont de 1 à 20, comme à ADD. Euh, sauf qu'elle ne se tire pas avec 3 d6, euh, elle se tire avec euh, 1 d10 plus 6, c'est-à-dire qu'elle vont de 7 à 16, pour les humains, que pour les humains. Ça veut dire qu'il y a des créatures qui ont vraiment des 1, des 2, des 3, ou qui ont des 17, 18, 19 dans les caractéristiques. Mais les humains, l'humain très con, l'humain très bête, il a 7 en volonté. L'humain super fort, il a 16 en volonté. Ah, en force, pardon. Et ça ne va pas au-dessus et ça va pas en dessous. Euh, il y a des compétences, alors là c'est très ADD. C'est très ADD, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a tout un tas de compétences qui viennent s'ajouter à la caractéristique pour faire des G2D. Euh, J'en ai créé, alors j'ai piqué celle de Donjon et Dragons, j'ai rajouté celle dont moi j'avais besoin en fait. Euh, sauf que contrairement à ADD, on ne pique pas ce qu'on veut dans les compétences. On est obligé de piquer dans les compétences qui ont rapport avec notre carrière. Et alors là, il y a la première vraie grosse différence avec ADD. C'est-à-dire que les joueurs ne choisissent pas une classe de personnage. Euh, vous savez, le voleur, barde, tout ça, tout ça, quoi. Ils choisissent une carrière parmi les cinq carrières qu'il y a au-dessus, là. Artiste, chasseur, érudit, combattant, clair. Alors, ça ressemble à des classes, hein. c'est juste que j'ai pris un autre nom, tout simplement. C'est quoi les carrières C'est grosso modo une direction qu'a qu pris la vie du personnage. Euh, C'est assez vaste, c'est-à-dire qu'un artiste, ça peut ressembler à plein de choses différentes. Un chasseur, ça peut ressembler à plein, plein d'archétypes différents. Un érudit peut ressembler à plein d'archétypes différents, etc. etc. Euh, et en fait, un joueur va développer sa carrière en achetant des compétences à mesure qu'il monte de niveau. Et quand il atteint un certain nombre de compétences à un certain niveau, donc au bout d'un certain temps, euh, dès qu'il a rempli toutes les conditions, il peut se diriger vers une classe, une vraie classe qui ressemble un peu à ce qu'on connaît. Et chaque carrière peut mener à trois classes différentes. C'est-à-dire qu'un artiste va pouvoir devenir un artiste un peu particulier en prenant une des trois directions, une des trois classes. Donc je vais cliquer sur Artiste pour qu'on voit ce que j'appelais le livre de l'artiste, qui résume les compétences auxquelles l'artiste a accès. Donc c'est là-dedans qu'il achète, et pas ailleurs. Ou plutôt, s'il veut acheter ailleurs, ça coûte très cher. Donc il est plutôt invité à acheter ces compétences-là. Et quand il atteint un certain niveau dans ces compétences-là, il peut devenir un assassin, un barde ou un escroc. Voilà les trois classes qui sont derrière la carrière en fait. C'est comme ce que ADD appelait des classes de prestige. Et au bout d'un moment, dans, dans une certaine classe, on pouvait viser une classe de prestige très particulière. Mais là, c'est le même délire, sauf que j'ai changé les noms. Quand on a une carrière à un certain niveau, on peut débloquer une classe. Et ce n'est pas vraiment qu'on migre vers un autre personnage qui fait des trucs différents. C'est simplement que chaque classe ajoute à ces compétences-là quatre compétences particulières qui n'appartiennent qu'à cette classe-là. Ça veut dire que si je prends l'assassin, dans le jeu, l'assassin est le seul à avoir accès à dissimulation, évasion, filature et poison. C'est le seul. Si vous n'êtes pas assassin, vous ne pourrez pas avoir ces compétences-là. Le barde a accès à décryptage, inspiration, lecture sur les lèvres et mentalisme. Et C'est la seule classe qui peut faire ça. C'est vraiment des compétences hyper spécialisées. Ça veut dire que quand vous devenez un assassin, vous ne cessez pas d'être un artiste. Vous n'avez pas changé de classe, ce pas de la multiclasse. Vous êtes toujours un artiste, mais qui a accès à quatre compétences très liées à l'assassinat. Vous êtes un artiste très particulier. Euh, votre quotidien ne euh, se fait pas spécialement dans la jonglerie et le ramassage de thunes. C'est que vous vous livrez à des activités euh, qui mettent en péril la vie de, de vos adversaires par moment mais vous continuez d'être un artiste. Il n'y a pas un niveau d'artiste et un niveau d'assassin. Vous avez un niveau global qui est artiste. Vous êtes un artiste de niveau 4, 5, 8, 12, 22, peu importe. Et vous avez une classe d'assassin qui vous donne accès à des compétences particulières. Voilà tout. Euh, et vous n'êtes pas le seul à pouvoir devenir assassin. En général, il y a au moins deux carrières qui mènent vers une classe précise. Par exemple, euh, si on prend assassin, l'artiste peut devenir assassin. Mais si ma mémoire est bonne, le chasseur peut devenir assassin. Et ça ne fera pas le même genre d'assassin. Parce qu'en fait, le chasseur, il a eu des compétences de chasseur à la base. C'est beaucoup plus physique. L'artiste a eu des compétences beaucoup plus sociales pour devenir un assassin. Donc ils n'ont pas la, le, même, le même modus operandi pour éliminer des gens, en quelque sorte. Euh, etc, etc... Parce que le combattant peut devenir assassin. Euh, oui, le combattant peut devenir assassin, et ça va faire un autre délire d'assassin. Lui aussi, le combattant aussi aura dissimulation, évasion, filature et poison. Par contre, le combattant, il aura eu des compétences euh, hyper physiques, hyper balèzes, et ça sera plus dans l'élimination euh, directe euh, que dans l'élimination discrète, en quelque sorte. Euh, voilà le délire. Donc il y a cette espèce de bifurcation qui arrive à un moment avec une classe un peu particulière ici, qui est l'aventurier. Il n'y a que... Alors de mémoire, je crois qu'il y a trois carrières qui peuvent devenir aventurier. Et en fait, l'aventurier, c'est le touche à tout. Et euh, au lieu d'avoir quatre compétences euh, réservées à l'aventurier, l'aventurier fait son marché. C'est-à-dire qu'il prend la liste complète des compétences, il en choisit quatre, et ça devient ses quatre compétences de classe. Donc il peut piquer, même chez l'assassin, euh, n'importe où, chez le guerrier. Euh, voilà, il fait son menu et il choisit ses quatre compétences qui seront considérées comme des compétences de classe. Donc un truc très fourre-tout, très mobile, très personnalisable, mais que tout le monde ne peut pas faire. Donc voilà pour tout ce qui est euh, caractéristiques, classe, carrière et compétences. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment très différent euh, Je ne m'étendrai pas sur les règles de combat ou les... les, les... C'est compliqué, c'est pas intéressant. Euh, une très, très grande différence qu'il y a, et qui mérite qu'on en parle alors que les autres ne n'en méritent pas, c'est la montée de niveau. Contrairement à Donjons et Dragons, c'est la dernière différence importante, les points de vie des personnages ne montent pas. Le point de vie d'un personnage, c'est sa constitution multipliée par 4. Donc on obtient un chiffre, certains chiffres. Hein. Qui va de 7 x 4, parce que 7 c'est le minimum possible, à 16 x 4. Donc vous avez un pool de points de vie. Le seul moyen de l'augmenter ou de le diminuer, c'est d'augmenter sa constitution ou de la diminuer. Donc quelqu'un qui a une maladie particulière va perdre en constitution et donc va perdre des points de vie maximum. Mais s'il est soigné, ça va revenir. Euh, les points de vie ne montent pas. Donc vous pouvez être niveau 1, niveau 100, niveau 2000, ben vous avez le même nombre de points de vie. Et pourquoi c'est génial Alors, c'est génial, un, parce que je peux faire monter mes persos de points de vie euh, sans me dire qu'à un moment, ils vont en avoir 200, 300, enfin, enfin, faire monter mes persos de niveau, pardon, et donc sans la crainte qu'il y ait trop de points de vie à un moment. Et l'autre truc intéressant, c'est que les créatures que je crée, quand je veux qu'une créature soit dangereuse, elle le sera toujours. Elle le sera toujours, puisque jamais le montant de points de vie de mes personnages. Sera tellement gros que la créature n'aura plus aucun intérêt et inversement les créatures que je crée faibles que je veux qu'elles soient faibles ben elles seront toujours faibles mais jamais inconsistantes prenez ADD classique je sais pas vous prenez un gobelin voilà et, et euh, il est écrit que le gobelin il a huit points de vie bon, mais quand votre quand vos joueurs eux, en ont 160 ou 80 des gobelins à 8 points de vie, euh, en fait, il est tarte en 2 secondes. Euh, voilà, ça n'a aucun intérêt. Euh, et une créature qui aurait 20 points de vie, ben, ça n'a aucun intérêt, puisqu'ils ont tellement, eux, de points de vie qu'ils auront largement laté la créature avant d'avoir eux-mêmes des soucis. Moi, chez moi, euh, ça, ça ne se produit pas. Quelque chose qui est dangereux, parce qu'il fait des dégâts. mais comme mes joueurs, leur points de vie n'augmente pas, cette créature est toujours dangereuse. Affronter un troll ou affronter un dragon, c'est toujours aussi dangereux. La seule chose qui évolue vraiment, c'est qu'avec le temps, les personnages développent leurs compétences, y compris leurs compétences d'armes et donc ont plus de chances de toucher, ou plus de chances d'éviter les coups qu'on leur donne, ou plus de ressources pour contourner le monstre, ou pour le surprendre, ou pour le foutre dans la merde, grosso modo. C'est grâce à ces ressources que l'écart va se créer, et pas grâce aux points de vie. Donc, j'ai pas à gonfler les points de dégâts que mes joueurs font ou à les réduire, je n'ai pas à gonfler leur point de vie ou à les réduire. Tout est statique. Et la montée de niveau se voit dans l'évolution des compétences et pas dans l'évolution du pool de points de vie. Et c'est euh, soulageant. C'est très libérateur quand on écrit quelque chose, parce qu'on n'a pas à se soucier de est-ce que ça va être trop fort ou est-ce que ça va être trop faible, est-ce que demain ça sera trop fort, ou est-ce que demain ça sera trop faible. Et du coup, quand, si jamais j'écris dans mon bestiaire à quoi ressemble un dragon, et que je décide qu'un dragon a 200 points de vie, c'est est énorme, vu ce que je viens de vous dire, c'est vraiment énorme, bah 200 points de vie, ce sera toujours, toujours, toujours un putain de challenge de les descendre. Et, et si je dis qu'un dragon, euh, quand il vous crache du feu dessus, il fait euh, 30 points de dégâts, voilà, et 30 points de dégâts, bah c'est toujours énorme vraiment toujours toujours énorme ça veut dire qu'on n'affronte pas un dragon euh, les doigts dans le nez parce qu'on est niveau 30 quand on va voir un dragon faut mettre en place toute une tactique pour le choper et en général il vaut mieux y aller à plusieurs euh, voilà c'est une autre façon de penser le jeu et une dernière différence pendant que j'y pense parce qu'elle est un petit peu liée en fait euh, vu que je, je cherchais un peu la mort du grobilisme de donjons et dragons euh, les personnages, et les monstres, tout ça, globalement, ont une voire deux attaques. Et puis c'est tout. C'est fini, le 5 attaques par round, 6 attaques par round, le mec lance des dés à l'infini. Alors, un, ça simplifie terriblement les combats parce qu'il y a peu d'attaques par round. Deux, ça évite des avalanches de dégâts parce que le mec qui a 4 ou 5 attaques, au bout d'un moment, ben, il fait tellement de dégâts qu'il faut beaucoup de points de vie en face pour, pour survivre. Enfin, tout, tout ça est très lié en fait. Pourquoi dans ADD le pool de points de, point de vie augmente Parce que les attaques augmentent en nombre. Et donc, donc forcément, il faut du point de vie en face. Moi, je limite les points de vie. Il est logique que je limite les attaques, sinon c'est ridicule. Donc, tout personnage, toute créature en général a une attaque. Et il en a deux si jamais il a deux armes ou si jamais il a deux raisons d'attaquer. Par exemple, vous allez croiser des créatures animales. Ils vont pouvoir donner deux coups de griffe. Donc ils ont deux attaques. Dans ce système-là, du coup, ce qui devient très euh, dimensionnant, très intéressant, c'est le surnombre. C'est-à-dire que si vous êtes entouré par plein de gens, ben, vous allez vous prendre plein d'attaques. Et là, c'est gênant. C'est-à-dire que vous allez devoir éviter le surnombre, ou fuir, ou compenser en venant avec des gens vous aussi. Voilà. C'est. Euh, c'est un, un système qui a l'air de bien tourner pour l'instant alors je vous dirai avec le temps s'il tourne si bien que ça, mais pour l'instant très honnêtement tout ce que j'ai vu euh, me fait assez plaisir. Bon ben voilà les cadavres on a fait le tour on a fait le tour des trois éléments que je voulais vous montrer Il reste plus que Il reste plus que l'histoire.